Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Laurent Blanc. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Merci de nous accueillir ici, au Ouais. siège de la Fédération française de football à Paris, à l'occasion du match France-Luxembourg qui se disputera à Metz le 12 octobre prochain. On a coutume de dire, Laurent, qu'il y a en France 65 millions de sélectionneurs. On en a sélectionné pour Peu vous, près, oui. à peu près. Oui. On a sélectionné pour vous 5. Ça réduit pas mal le chiffre. Ça réduit pas mal le chiffre. Donc ces 5 sélectionneurs en puissance sont 5 lecteurs du Républicain Lorrain qui ont répondu à notre appel. Il y en avait des centaines qui auraient voulu être à leur place. Ce sont eux qui vont vous interroger pendant à peu près une mi-temps. Vous avez autour de vous Rémi, Cyril, Benoît, Robert et Christelle qui vont vous marquer de très très près pendant cette Christelle, ça mi-temps. va, mais après Après les Rémi, prénoms. Benoît. Ils vont vous interroger sur vos nouvelles fonctions à la tête des Bleus, sur les joueurs sur lesquels vous comptez, ceux que vous suivez, et évidemment sur la préparation du match France-Luxembourg et sur votre regard de président sur le football en général. Donc c'est Robert qui est à ma gauche qui va donner le coup d'envoi de ses 45 premières minutes avec une question tout à fait présidentielle. Ma première question est la suivante. Aviez-vous imaginé ou ambitionné un jour de devenir le patron de l'équipe de France? Pour vous dire la vérité, oui. Car depuis que j'ai arrêté le football, je m'étais préparé à prendre des responsabilités dans le foot, dans le monde du sport, parce que c'est véritablement ma passion. Je pensais tout d'abord prendre des responsabilités au niveau d'un club, chose que j'ai faite 4 ans après avoir arrêté de jouer au football, puisque même dans ce métier-là, le manque d'expérience est vraiment cruel et on vous le fait comprendre. Donc il m'a fallu 4 ans pour trouver un président qui ose tenter le pari avec moi, c'est-à-dire les Girondins de Bordeaux. Et après, au bout de 3 ans d'expérience de club, l'opportunité s'est présentée à moi de prendre la direction de l'équipe de France. C'est un rêve un petit peu que j'avais au plus profond de moi-même. Alors, est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était trop tôt? J'ai entendu c'était trop tôt, c'était trop tard. Je crois que quand il y a l'opportunité dans une vie, il faut la saisir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas réfléchi. Ma motivation et mon ambition d'entraîner l'équipe de France a été plus forte que tout. Et j'espère qu'elle me donnera raison dans la mesure où je me suis fixé avec les joueurs aussi, avec la fédération, avec les gens qui aiment le football, l'objectif de se qualifier pour l'Euro 2012. Voilà, on verra si dans quelques mois on a réussi cet objectif. En tout cas, on y travaille. On est passionné pour y arriver. Et j'espère qu'on va partager cette passion d'abord avec les joueurs et aussi avec les supporters et les gens qui aiment l'équipe de France. Christelle revient maintenant sur votre nomination à la tête des Bleus. Alors ma question, ça serait, n'avez-vous pas eu d'appréhension à l'idée de reprendre les Bleus, surtout après la Coupe du Monde en Afrique? Alors, pour être honnête avec vous, j'avais donné mon accord verbal aux dirigeants de la Fédération française pour reprendre l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde. Donc le résultat de la Coupe du Monde n'a pas influencé mon choix. Mais je suis quelqu'un qui réfléchit avant de donner son avis et quand je donne un avis favorable. Quelles que soient les circonstances, je respecte l'accord que j'avais. Donc voilà, dire que ce qui s'est passé en Afrique du Sud m'a fait plaisir, loin de là. Je crois que j'aurais aimé trouver une situation plus sereine, plus calme et surtout sportivement plus facile à gérer. Mais il s'avère que bon, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on ne peut pas l'effacer. Il faut l'assumer et surtout le surmonter. Ça donne une responsabilité supplémentaire, du travail supplémentaire. Mais je fais ça avec tellement de passion que bon, voilà, je me suis engagé à fond pour une certaine durée. Et je me dis que bon, j'ai pas le droit de, à la moindre difficulté, de perdre ma motivation. Donc je le fais avec vraiment beaucoup de passion, partagé aussi par mon staff technique et mon staff médical. Comme je leur ai dit, on est dans un objectif très précis. Il va y avoir des turbulences, il va y avoir des périodes pas faciles, parce qu'on est en pleine construction, et non pas en reconstruction, on est en pleine construction. Ça va prendre du temps, le temps on n'en a pas trop. Donc il va falloir faire comprendre rapidement ce qu'on veut,
et avoir, je l'espère, des résultats assez rapidement qui nous permettront de travailler un peu plus avec un peu plus de sérénité. Vous avez connu Clairefontaine, Laurent et le Stade de France en tant que joueur. Oui. La question de Rémi s'adresse maintenant au tout nouveau sélectionneur. Cela fait maintenant quelques semaines que vous avez pris votre nouveau poste. Oui, et quelques mois on peut dire. Quelques mois. Qu'est-ce qui a le plus changé par rapport au temps où vous portiez le maillot de l'équipe de France? C'est-à-dire que quand vous êtes joueur, vous pensez principalement à vous-même. Et vous pensez pas forcément un petit peu à l'organisation, au mode de fonctionnement que peut avoir le sélectionneur. Vous vous attachez surtout à savoir s'il vous a choisi ou pas. Quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire quand vous êtes sélectionneur, vous apercevez qu'il y a un suivi à avoir. Il y a superviser beaucoup de joueurs. Surtout à l'étranger, puisqu'on a beaucoup de joueurs français qui jouent à l'étranger, et vous avez des joueurs en devenir qui évoluent dans le championnat de France. Donc, ce qu'il y a de très paradoxal dans ce métier de sélectionneur, c'est que votre travail sur le terrain est très limité. Parce que pendant 10 jours, là au mois d'octobre, on va être sur le terrain avec les joueurs, on va vraiment avoir un rôle d'entraîneur-sélectionneur. C'est ce qui me plaît beaucoup, d'être sur le terrain. Mais après, une fois que les 10 jours sont terminés, vous avez un travail de suivi, un travail un petit peu plus administratif, qui n'est pas, je ne vous le cache pas, ma tasse de thé, mais il faut savoir le faire, parce que la chose la plus importante, c'est d'avoir un suivi vis-à-vis des joueurs. Un autre paradoxe de ce métier de sélectionneur, c'est que pendant 10 jours, vous êtes sous les feux de l'actualité, sous la pression médiatique. Et Dieu sait qu'elle est de plus en plus forte dans le football actuel, puisque les médias se sont multipliés ces 10 dernières années. Et que, paradoxalement, après le dernier match, le lendemain du match, vous dites au revoir à vos joueurs dans l'aéroport, le droit des clubs reprenne le dessus, et vous rentrez à la maison, et là vous avez une décompression pendant 24 heures ou 48 heures qui est totale, en vous disant, mais voilà, j'ai vécu 10 jours vraiment très intensifs, et là, il y a tellement une retombée de pression qui fait que bon, pendant 48 heures, c'est assez difficile à supporter. Bon, après, on repart sur d'autres objectifs, on repart sur d'autres suivis, mais c'est vrai que c'est un métier un petit peu... c'est pas journalier, quoi. Vous parliez de médias à l'instant. La oui. question de Robert s'adresse aux téléspectateurs que vous êtes. Quand auparavant, vous regardiez un match de l'équipe de France à la télévision, où vous étiez sur le terrain, sous l'air de Domenech. Je parle des matchs où on est passé à travers, bien évidemment, je ne parle pas des beaux matchs. Qu'est-ce que vous vous disiez? À quoi pensiez-vous à ce moment-là? Le problème, moi, comment réagissiez-vous? Non, mais le problème, moi j'ai toujours été, et je le serai toujours, un supporter de l'équipe de France. Parce que j'aime le football d'abord, et puis j'aime le football français, et puis j'ai obtenu des résultats avec le football français au-delà de mes espérances. J'ai eu beaucoup de satisfaction avec l'équipe nationale, j'ai eu quelques aussi désillusions, il ne faut pas l'oublier, avec l'équipe nationale aussi. Donc je peux dire j'ai vraiment tout connu avec l'équipe nationale. Donc je suis un fervent supporter de l'équipe nationale. Et comme avec mon équipe de club, j'aime voir jouer mon équipe nationale bien au football. Quand c'est le cas, je prends un réel plaisir. Quand c'est pas le cas, ben je suis déçu, mais il ne faut pas croire. Je suis allé encore voir le Real de Madrid hier soir. Le football, c'est plus compliqué que ce que l'on croit. C'est là où est la difficulté des gens. C'est-à-dire que les gens, surtout vis-à-vis de l'équipe nationale, pensent que, étant donné qu'on sélectionne, soi-disant, et c'est vrai, les meilleurs joueurs, il n'y a qu'à les disposer sur le terrain pour bien jouer. C'est faux. Si c'était le cas, vous croyez que tous les sélectionneurs feraient en sorte que leur équipe nationale joue bien, gagne des matchs. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut de la complémentarité, il faut un bon état d'esprit, il faut du talent bien sûr, mais ça ne se fait pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Donc je crois que le rôle de l'entraîneur, il est là. Et je me dis que bon, faire bien jouer son équipe en club, c'est déjà difficile, alors que vous avez à disposition les joueurs tous les jours. Faire bien jouer son équipe nationale, c'est encore plus difficile parce que vous n'avez pas le temps pour la faire travailler. Donc il faut vraiment qu'il y ait une alchimie qui se mette en place très rapidement, dans la mesure où vous n'avez pas du temps journalier pour travailler. Vous venez de le dire, Laurent, vous avez tout connu avec l'équipe de France. Christelle veut savoir justement ce qui vous motive encore aujourd'hui.
Vous avez gagné de nombreux titres en club, en sélection. Oui. Avec un tel palmarès, quel est votre rêve désormais en tant que sélectionneur? Alors, il faut, avant de répondre comme ça, de dire oui, je souhaiterais gagner, il faut analyser un petit peu notre situation. Je dis notre situation parce qu'on parle de l'équipe de France. Effectivement, ces dernières années, ces 15 dernières années, vu les résultats de l'équipe nationale, n'oublions pas 82 demi-finales de la Coupe du Monde, 84 champion d'Europe, en même temps champion olympique, si je ne me trompe pas, 86 demi-finales de Coupe du Monde, 90-94, changement de génération, pas qualifié pour l'Euro, pas qualifié pour la Coupe du Monde 90, pas qualifié, qualifié pour l'Euro 92, perdu au premier tour, pas qualifié pour 94, la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, différentes générations, nouvelle génération, et puis en 96, demi-finale de l'Euro, 98, vainqueur de la Coupe du Monde, 2000, vainqueur du championnat d'Europe, 2006, finaliste de la Coupe du Monde, ça fait beaucoup de résultats. On ne s'aperçoit pas, mais ça fait beaucoup, beaucoup de résultats dans les phases finales. Donc les gens s'étaient habitués à faire en sorte que l'équipe de France, d'abord, allait se qualifier facilement pour les phases finales, et que lors des phases finales, elle avait un rôle à jouer. C'était vrai il n'y a pas si longtemps. Ce n'est plus vrai maintenant. Alors c'est dur de le dire. C'est encore plus dur de l'entendre. Mais c'est la réalité. Donc, si vous faites cette analyse-là, pour répondre à votre question, ça serait de retrouver un certain rang au niveau national, au niveau de l'équipe nationale. Et dans un deuxième sens, si on arrive à retrouver notre rang au niveau des équipes nationales, espérer jouer un rôle majeur dans une compétition internationale. Il n'y a pas 36 choses à gagner dans une équipe nationale, à la différence des clubs. En équipe nationale, vous n'avez que deux choses à gagner. Le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. Tous les pays veulent le gagner. Tous les joueurs veulent le gagner. Et croyez-moi, il y a des sacrées nations de football qui n'ont jamais rien gagné au niveau européen, au niveau mondial. Et il y a des sacrés joueurs qui n'ont jamais rien gagné au niveau de leur équipe nationale. Donc, vous voyez un petit peu la difficulté qui nous attend. Donc, je dis actuellement de faire preuve de beaucoup d'humilité de la part des joueurs, de la part de la fédération, de la part des médias, et aussi, j'espère, de la part des supporters. Donc vous dire que mon objectif majeur, ça serait de gagner la Coupe du Monde, de gagner, je pense que ça irait à l'inverse de ce que je dis. Donc, dans un premier temps, retrouvons une certaine sérénité et retrouvons du jeu. Parce que je pense que c'est par le jeu qu'on arrivera à obtenir des résultats. Enfin, c'est ma philosophie maintenant. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, je laisserai la place à d'autres. Rémi, sur la construction de l'équipe de France, de la nouvelle équipe de France. Donc, je vais revenir à l'ère Domenech. Oui. Quelle est la chose que vous souhaitiez absolument changer, hormis les résultats, bien sûr. C'est la chose primordiale. Oui, c'est sûr. C'est la première des choses. Je dis que l'équipe nationale, comme l'équipe de club, on est jugé à travers nos résultats. Les supporters nous jugent à travers les résultats. Les supporters, ce qu'ils veulent voir, c'est de leur équipe gagner. Si leur équipe gagne, ils sont déjà contents. Si leur équipe gagne en jouant bien, ils sont très contents. Mais la première des choses, c'est la gagne. Donc, vu les résultats de ces dernières années, il faut gagner. Il faut aller chercher la victoire dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, essayer de conjuguer la victoire avec un beau jeu. Mais c'est pas si simple que ça. Benoît n'a ni oublié votre quart de finale en Ligue des Champions contre Lyon, ni votre dernière ligne droite en Gironde. Donc les 6 derniers mois aux Girondins de Bordeaux n'ont pas été fameux. Oui. Si vous deviez refaire le film, que changeriez-vous? Et d'autre part, ne pensez-vous pas que les annonces de M. Escalette sur le remplacement de Domenech ont déstabilisé les Girondins et ont fragilisé l'ex-sélectionneur? Là aussi, c'est bien que vous me posiez cette question parce que j'y réponds plusieurs fois dans la mesure où il faut faire une analyse complète. Vous dites les 6 derniers mois. Je dis que les 6 derniers mois, effectivement, à Bordeaux, n'ont pas été très bons. Les résultats sont là pour le démontrer, malheureusement. Mais je dis qu'on a fait un mois d'avril catastrophique. Puisqu'on a eu 6 matchs, donc 18 points à prendre en championnat. On n'en a pris qu'un. Donc on en a perdu 17. Donc le mois d'avril nous a été vraiment très, très, très préjudiciable.
Pourquoi ce mois d'avril nous a été préjudiciable? Parce que je pense que bon, la Champions League, on était encore en compétition. Parce que n'oublions pas que dans ces 6 derniers mois où on dit que Bordeaux n'a pas été fameux au niveau des résultats, ce qui peut paraître logique, mais on s'est quand même qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. On est allé quand même gagner au Bayern de Munich chez un client, puisqu'il a atteint la finale. On a gagné 2-0, etc. On a fait des bons matchs. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que, à mon avis, il y a eu deux problèmes, rationnels et non pas irrationnels. Les gens qui vous disent que Bordeaux a effectué une deuxième partie du championnat moins glorieuse que la première, il était difficile de faire mieux que la première. Parce que la première, c'était vraiment maximum ce qu'on pouvait faire. Je pense que, et le staff, et moi-même, puisque je m'inclus dans le staff, et les joueurs ont cru que bon, c'était gagné, et que bon, on avait fait le plus dur en faisant une partie de première partie du championnat fantastique, et qu'il n'y avait plus qu'à jouer les matchs pour continuer cela. Dans le football, si on ne se remet pas en question, je pense qu'on va au-delà de grandes désillusions, et ça s'est encore confirmé avec Bordeaux l'année dernière. La deuxième chose irrationnelle, effectivement, il y a eu une annonce faite qui a déstabilisé certainement le club, dans la mesure où bon, on a annoncé très tôt mon arrivée à la tête de l'équipe de France, chose qui était totalement fausse, mais qui a déstabilisé certaines. De là à penser que c'est la seule et unique raison de notre mauvais parcours en championnat, je pense que c'est se cacher les propres vérités. Donc ça arrange bien de dire à certains de dire bon, mais voilà, c'est parce qu'on a annoncé Laurent Blanc à l'équipe de France qu'on a fait une mauvaise deuxième partie du championnat. Je pense que les joueurs et les gens qui disent ça ne veulent pas vraiment regarder les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est, à mon avis, continuation de notre qualification en Champions League, chose qui n'était pas prévue, mais qu'on a pris avec grand plaisir, puisque la Champions League, c'est vraiment une compétition fantastique. Donc la motivation, l'énergie que l'on a mis dans cette compétition, on ne l'avait plus pour le championnat, ou elle nous a été au détriment du championnat. Deuxième chose pragmatique et réaliste, c'est les 5 blessures qu'on a eues en deuxième partie du championnat sur 5 joueurs vraiment majeurs. Cédric Arasso, Marc Planus, Alou Diarra, Johan Courcuff. Donc je pense que là, c'est des choses pragmatiques, c'est des choses réelles. On n'avait pas une largeur de banc qui nous permette de pouvoir remplacer ces 4 joueurs avec la même efficacité, la même performance. Donc voilà, il y a des raisons beaucoup plus réelles que ce que l'on veut faire croire en disant que l'unique raison pour expliquer le mauvais parcours de Bordeaux, ça a été l'annonce dès le mois de février de l'entraîneur en équipe de France. Ça n'a pas arrangé les choses, je suis d'accord avec vous, mais il y a des raisons réelles qui explique notre mauvais parcours en deuxième partie du championnat. Cyril s'intéresse maintenant à un maillot sur lequel il y a une étoile depuis le mois de juillet dernier. Donc on vous dit vouloir prendre exemple sur la méthode de formation espagnole. Donc oui. Il y a 10 ans, on prenait exemple sur la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je m'explique. J'étais à un colloque de sélectionneurs à Madrid pendant 3 jours. Et il y a eu la direction technique nationale espagnole qui nous a expliquer son mode de fonctionnement. Et qui nous a expliqué que, comme beaucoup de nations, et notamment l'Espagne, l'Allemagne, après 98, où se sont dit, bon, il faut qu'on fasse vraiment une analyse profonde et complète de notre football, et voir un petit peu ce qu'on peut améliorer, notamment au niveau de la formation. Donc je dis que tout le monde a pris plus ou moins exemple sur la formation française, à travers ce qu'avait fait la Direction Technique Nationale et la Fédération Française de Football. Pourquoi? Parce qu'elle était avant-gardiste, la formation française. Les autres pays, qui sont des nations de football aussi développées que nous, voire plus, ont pris exemple sur cette formation en y rajoutant des critères de la culture du pays, de la façon dont ils voulaient fabriquer, entre guillemets, des jeunes joueurs. Et j'ai dit lors de ce colloque-là que l'analyse profonde que l'on doit faire sur le football, et notamment sur la formation au niveau de la France actuellement, il faut prendre en considération que nous ne sommes plus 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière. Nous n'avons plus ce temps d'avance par rapport aux autres nations. Les autres nations sont arrivées à notre niveau, voire nous ont dépassés. Et que les critères de formation que nous avons assumés pendant 20 ans devaient être revus. Notamment, je le précise, les critères de formation
françaises durant ces 10 dernières années, voire ces 15 dernières années, ont été souvent faits sur des critères physiques, athlétiques. Et c'est pour ça que je disais que les critères de la sélection, de la formation espagnole étaient complètement différents, parce qu'eux, ils avaient basé leurs critères de choix, leurs critères de sélection, sur l'intelligence du joueur, sur les appuis, vivacité, coordination, et la technicité du joueur. Et qu'ils avaient fait, pas abstraction, mais ils avaient mis le dernier critère de l'athlétique et de le physique en dernier. Comme je disais, il faut quand même analyser là aussi, les Espagnols n'ont pas la même histoire que notre pays. Ça, il faut bien inclure ça dans notre formation, dans notre réforme, enfin, dans notre analyse. Chaque pays a une culture. Notre pays a une culture. Il faut voir les classes à laquelle les joueurs appartiennent quand ils viennent dans le football. Et en ayant une analyse profonde, il faut avoir des critères de choix qui sont, à mon avis, beaucoup plus basés sur le football que sur le physique. C'est dans ces termes-là que je disais que la formation espagnole était dans l'organisation un petit peu la même que la nôtre, mais dans les critères de choix, dans les critères de sélection, était totalement différente que la nôtre. On a vécu, Laurent, il y a quelques jours à Lyon, la superbe qualification des joueurs de Guy Forget en finale de la Coupe Davis. Cette victoire inspire cette question à Benoît. Pourquoi les joueurs d'équipe de France, qui quand même à la base est un sport collectif, n'arrivent pas à avoir l'état d'esprit affiché par d'autres équipes de France de sport individuel, affiché cet été, le tennis, la natation, l'athlétisme? Mais on l'a. Ils ne le démontrent pas. On l'a perdu. Mais on l'a eu. Vous étiez derrière nous en 98. En 98, il n'y était pas. On l'avait. Et je vais vous dire un truc. Vous avez répondu dans votre question. Vous me dites, pourquoi on n'a pas l'état d'esprit de l'équipe de France de natation? Pourquoi on n'a pas l'état d'esprit de l'équipe d'athlétisme? Qu'est-ce qui a marqué les gens dans ces équipes-là? Les résultats. La victoire. Les gens se retrouvent derrière une équipe qui gagne. Donc la chose principale pour l'équipe nationale de football, c'est de renouer avec la victoire. Et vous verrez que vous me poserez la même question et que l'état d'esprit, on peut l'avoir puisqu'on a démontré qu'on pouvait l'avoir, mais il nous faut, à travers les résultats, alors c'est toujours pareil, est-ce que c'est l'état d'esprit qui fera le résultat ou est-ce que c'est le résultat qui fait l'état d'esprit? Moi je vous répondrai, c'est les deux. Alors faut-il un meneur de jeu pour accrocher ces victoires? Une question de Robert. Oui Laurent, durant pas mal de temps, l'équipe de France a été une des meilleures du monde. Oui. Mais à chaque fois, avec deux joueurs d'exception qui ont été Michel Platini et Zidane, et à chaque fois évoluant en numéro 10. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ou demain, il soit possible de refaire une grande équipe de France sans avoir un grand numéro 10 de la trempe de Zidane ou Platini? Ben, ça veut dire, dans votre question, ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver un numéro 10, on n'aura jamais plus de grande équipe. Non, mais on constate qu'on a été les meilleurs du monde avec de grands joueurs. Oui, mais est-ce qu'on peut un jour être les meilleurs du monde sans avoir ce grand joueur? Oui, l'Espagne n'a pas un grand numéro 10. Oui, mais vous avez dit que l'Espagne, c'était le jeu espagnol et nous, on est en France. Ah, mais est-ce qu'on ne peut pas pratiquer un jeu à l'espagnol, nous? Techniquement, on a de la qualité. Je crois que, bon, tout dépend de l'émergence des joueurs. Vous avez très bien dit, bon... Il y a eu la génération Platini. Bon, Platini s'est révélé un grand numéro 10. La génération 98-2000, c'est quoi? C'est des bons joueurs, des très bons joueurs, et un joueur d'exception. Donc quand vous avez des très bons joueurs plus un joueur d'exception, vous avez quand même plus de chances de gagner des titres. Là, il s'avère que là, pour l'instant, nous avons des bons joueurs. Nous n'avons pas ni des grands joueurs, ni un grand numéro 10. On a peut-être des joueurs qui peuvent le devenir. Ça vaut le coup d'essayer quand même, non? Ça vaut le coup d'essayer. Et si on n'en a pas, je pense que le sport est un sport collectif. Le football est un sport collectif. Il y a des équipes qui n'évoluent pas avec un numéro 10 et qui arrivent collectivement et avec un état d'esprit irréprochable à obtenir des résultats. Donc il ne faut pas se tenir juste à ce poste de numéro 10. Moi, c'est vrai que j'aime effectivement avoir un meneur de jeu parce que j'estime que si vous avez un meneur de jeu qui fait bien jouer l'équipe, c'est mieux.
Mais si vous l'avez pas le joueur, vous n'allez pas le fabriquer. Si vous l'avez pas, s'il ne sort pas de cette génération, peut-être il sortira un Zidane ou un Platini dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être jamais. Alors ça veut dire que s'il ne sort pas de grand numéro 10, on ne peut plus avoir des grands résultats. C'est faux. Je pense qu'il y a des équipes nationales qui n'ont pas de grand numéro 10, mais qui ont des très bons joueurs, avec un bon état d'esprit, et ils arrivent à obtenir des très bons résultats. Pour les matchs contre la Roumanie et le Luxembourg, on sait déjà qu'a priori vous ne toucherez pas à votre charnière centrale, puisque vous voulez donner du temps de jeu et de l'expérience. Mmh. Est-ce à dire qu'on doit en déduire quelque part que vous toucherez très peu au groupe qui a gagné contre la Bosnie ? Là aussi, le problème, c'est que bon, quand vous déterminez un cap, quand vous faites des choix, quand vous choisissez des options, bon, si vous écoutez tout le monde, si vous écoutez les médias, il faut tout changer. Enfin, il faut tout changer. Il faut changer. On aime le changement, nous. L'équipe nationale, ça fait discuter. J'ai pas le même avis que... Ton prénom, c'est quoi ? Que Cyril. J'ai pas le même avis que Robert. Vous avez pas le même avis que moi, etc. C'est ça le problème. Quand on est en construction, tout le monde a un groupe différent. Parce qu'il a une sensibilité différente, a des préférences. Différentes que le sélectionneur. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'un sélectionneur. Et le sélectionneur, c'est lui qui fait ses choix. Donc moi, j'ai donné un cap avec des nouveaux joueurs, parce qu'on est en pleine construction. J'estime qu'il n'y a pas de joueurs pour l'instant incontournables en équipe de France. J'ai donné le groupe de joueurs qui a perdu contre la Biélorussie, où on a dit que c'était catastrophique. Parce que c'était le néant, parce que c'était ceci. Et trois jours après, avec les mêmes joueurs, hein, ils n'ont pas changé, ils ont pris trois jours d'expérience de plus. On est allé gagner en Bosnie, et là, tout le monde a dit, c'est de l'espoir, ça y est, on a retrouvé espoir. Je crois qu'il faut avoir un peu de temps, il faut se fixer un cap, et ne pas changer d'avis tous les deux jours, tous les trois jours. Et que, moi, mon rôle le plus difficile actuellement, et qui sera le plus difficile dans l'avenir, c'est de constituer un groupe. En 1998, je vous signale que même les médias, quand le sélectionneur donnait la sélection, sur 15 ou 16 joueurs, personne ne se posait la question de savoir s'il va y être, il ne va pas y être, il a été bon, il a joué, il a été titulaire. Non, il y avait 15 ou 16 joueurs incontournables. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais dans leur club, on avait créé un groupe, une équipe. Et se posait la question de savoir qui allait les accompagner sur les 5-6 joueurs. La forme du moment, la forme du joueur. Il faut arriver à recréer ça. Ça prend du temps. Mais si on change d'avis tous les trois jours, si on change de sélection tous les rassemblements, je ne vois pas comment on va pouvoir y arriver. Donc il y a des jeunes joueurs, laissons-leur le temps de les confirmer. Ils ont fait un bon résultat en Bosnie en plus. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient avoir le niveau. De grâce, laissez-leur un peu confirmer. C'est des jeunes joueurs, ils ont 22, 23 ans pour la plupart. Ils ont une sélection, deux sélections. Laissez du temps au temps, quoi. Je veux dire, voilà, on peut pas, ça se fait pas en deux secondes. Alors justement, c'est pas toujours évident de confirmer en équipe nationale ses performances en club. C'est une question de Benoît. Pourquoi certains joueurs, on peut penser à Sagna, Clichy, Mexès, Malouda, sont beaucoup plus performants avec leur club qu'en sélection ? Quelles sont les raisons de ce décalage ? Il y a certainement le système de jeu, la philosophie de jeu, l'environnement. Je crois que effectivement, dans le club, on est quand même beaucoup plus entouré, on connaît beaucoup plus les personnes. C'est quand même plus facile d'être performant en club qu'en sélection. Parce que vous avez toujours le même discours, vous avez toujours le même mode de fonctionnement, vous avez toujours le même mode de travail. Vous travaillez quotidiennement avec les personnes, donc vous créez des automatismes, vous créez de la complémentarité. En équipe nationale, on n'a pas le temps de travailler. Et on nous demande exactement la même chose, c'est-à-dire de gagner. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour déterminer une philosophie de jeu, il faut travailler, il faut avoir de la complémentarité. On dit qu'il faut trouver une charnière centrale. Je suis le premier à dire qu'il faut trouver une charnière centrale. Il faut trouver surtout deux joueurs complémentaires. Parce que des joueurs qui jouent dans l'axe, il y en a. Il y en a même beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'ils correspondent à votre philosophie de jeu. Si vous prenez des défenseurs que pour défendre, vous allez en trouver plein. Si vous voulez une défense centrale, une charnière centrale, qui soit complémentaire, qui soit bonne défensivement, mais qui soit aussi capable de relancer le jeu. Là déjà, votre choix, il est plus difficile à faire. Donc ça dépend de la philosophie de l'entraîneur, ça dépend comment l'entraîneur veut jouer, le sélectionneur veut jouer, et en fonction de sa philosophie, il fait des choix. Et sur ces choix-là, il faut insister, parce que
parce que la complémentarité d'une charnière centrale, c'est pas au bout de 2-3 matchs que vous l'avez, c'est au bout de 10-15 matchs. Donc il faut que pendant ces 10-15 matchs, elle soit performante pour que l'opinion, les médias vous laissent tranquille. Donc, comme je leur ai dit, si vous voulez être tranquille, il faut être performant pendant 10 ou 15 matchs. C'est la difficulté. Rémi s'inquiète maintenant de vos relais sur le terrain. Lors de votre prise de fonction, vous cherchiez des cadres pour guider l'équipe. Oui. Est-ce qu'après ces deux premiers matchs, vous les avez trouvés ? Non. Pas du tout. Ça se trouve pas en deux matchs, les cadres. Ça se trouve au bout de 7, 8, 10 matchs. Ça dépend un petit peu ce que l'on fera. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui me désole un petit peu le plus après l'Afrique du Sud, c'est bon, les résultats sportifs, ils sont aléatoires. Une victoire, une défaite, ça ne tient pas à grand-chose. Mais je m'attendais à faire en sorte que le bilan de la Coupe du Monde, je puisse me reposer sur un noyau de 5, 6, 7, 8 joueurs incontournables. Et il s'avère qu'après la Coupe du Monde, ce noyau-là n'existe pas. À mes yeux. Je dis bien à mes yeux. Donc voilà, on est en train de justement essayer de constituer ce noyau de joueurs. Ça prendra du temps. Vaut-il mieux jouer en France ou être sur le banc à l'étranger ? Benoît attend votre point de vue. Oui, peu de joueurs de l'équipe de France des 19 ans, récents champions d'Europe, sont titulaires dans leur club, dont certains sont déjà partis à l'étranger très jeunes. Pour moi, c'est catastrophique. Est-ce une bonne solution pour leur carrière aussi ? Non. Mais je leur ai dit. C'est le problème, qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, on est devant un gros problème. On est devant un gros problème parce qu'on en revient à la formation. On en revient à la formation. Les Espagnols, ça va. Les Espagnols, bon, ils forment dans leur club. Les joueurs restent en Espagne. Vous avez très peu de joueurs espagnols qui sont à l'étranger. Les Italiens, pareil. Les Allemands, pareil. Le seul problème, c'est que les fédérations ont pris exemple sur la formation française. Mais ce qu'il faut dire, et il faut quand même en tenir compte, c'est que les grands clubs étrangers qui ne veulent pas faire de formation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent ici prendre les joueurs. C'est catastrophique pour le football français. Alors pour ces jeunes joueurs, ils partent dans des grands clubs. Alors c'est vrai que faire miroiter un joueur, un jeune joueur de 16 ans, 17 ans, 18 ans, dire voilà, tu vas porter le maillot de Liverpool, le short rouge, les bas rouges, le maillot rouge, ou le Real de Madrid, ou Chelsea, tu vas avoir un super maillot, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Oui, c'est très bien, c'est fantastique. Et le problème, c'est qu'ils ne jouent pas. Et donc leur progression, elle est diminuée. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un problème français. Parce que je vous dis, les meilleurs clubs européens, avec leur pouvoir économique, viennent en France et vous prennent les meilleurs joueurs. Et vous ne pouvez rien faire. C'est catastrophique pour nous, ça. Parce qu'on a moins de puissance économique. Quoi. Nous, on ne peut pas faire la même chose chez eux. De toute façon, même si on avait la puissance économique, on ne pourrait pas le faire. Ils ne font pas de formation, ou très peu, par rapport à nous. Le seul problème, c'est que nous, on fait de la bonne formation, mais on n'en récolte pas les fruits. C'est quand même préjudiciable, surtout pour les clubs et aussi pour l'équipe nationale. Parce que je suis allé voir l'équipe de France des 19 ans qui a été champion d'Europe. À mon grand étonnement, il y a 9, 10, 11 joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Donc je me suis renseigné auprès des grands clubs européens. Il y en a même qui ne jouent même pas des fois en réserve. Donc voilà. Le petit Kakuta qui a joué hier, qui est un très bon joueur. Bon, c'est son premier match titulaire depuis qu'il est à Chelsea. Voilà. Voilà. Donc bon, c'est un choix. Hein. Mais à mon avis, pour leur progression, et dans leur club, et dans leur équipe nationale, c'est pas le meilleur des choix. On reste dans la construction de la Maison France avec une question de Robert. Oui, des trois compartiments de jeu, c'est-à-dire l'attaque, le milieu de terrain, la défense, lequel vous semble actuellement le plus difficile ou le plus urgent à optimiser ? La défense. La défense. Oui, parce que la base d'une équipe, c'est sa base défensive. C'est sa base défensive parce qu'il y a une organisation à avoir, il y a une complémentarité à trouver. Après, offensivement, vous dépendez souvent du génie, entre guillemets, de vos joueurs offensifs. Derrière, c'est une organisation à voir, c'est une complémentarité. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la base d'une équipe, c'est sa base défensive. Il n'y a qu'à voir contre la Biélorussie, même si le match n'a pas été fantastique, même si on n'a pas marqué des buts, chose qui est la plus difficile dans un match de football.
si on avait eu une bonne base défensive, on aurait fait 0-0. Ce qui aurait reflété, à mon avis, la physionomie du match. On n'a pas encore une base défensive solide. À la 85e minute, on a pris un but stupide et on a perdu le match. On vient de parler de défense. Vous étiez hier à la Baie des Champs, vous l'avez dit. Vous avez assisté à la défaite de votre ancien club, Auxerre. José Mourinho a déclaré après le match qu'il vous avait souvent au téléphone et qu'il vous parliez souvent de Karim Benzema. Je voulais savoir comment vous aviez apprécié sa performance hier soir. Ça fait deux fois que je les vois jouer le Real à une semaine. Ils ont un gros problème. Donc même José Mourinho, pour en avoir discuté avec lui, en est conscient. C'est que même quand on est au Real de Madrid, même quand on a des millions et des millions d'euros, qu'on vous prend les meilleurs joueurs, après c'est un problème d'équilibre d'équipe. Parce que bon, le Real de Madrid reste le Real de Madrid. Bien sûr que ça suffit pour battre l'Espagnol de Barcelone. Ça suffit sur un coup de talent de battre la JOCR. Même si le score ne reflète pas tout à fait la physionomie du match. Mais ça ne suffira pas pour gagner des titres, pour gagner le championnat d'Espagne ou pour gagner la Champions League. Donc lui-même est conscient que bon, il a des joueurs de talent, mais que lui aussi, il lui faut du temps pour trouver un équilibre d'équipe. Et donc Karim fait partie de ces joueurs-là. Il est conscient que c'est un joueur talentueux, mais il est conscient aussi qu'il doit, lui faire comprendre que le talent ne suffit pas. Il faut mettre le talent à la disposition de l'équipe. Et il ne faut pas attendre que l'équipe soit à la disposition d'un talent individuel. Ça, c'est difficile à comprendre, peut-être pour vous, mais c'est difficile aussi à comprendre pour les joueurs talentueux. Ils sont tellement talentueux, les joueurs, qui se disent « mais je n'ai pas besoin du collectif ». Je peux vous dire que le talent sans le collectif, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, je trouve cette phrase très très explicite. Je crois que c'est Michael Jordan qui a dit ça. Pourtant Michael Jordan c'est vraiment un très très grand joueur basket, très individuel. Il était capable de marquer 50 points, vous connaissez aussi bien que moi. Il avait dit une chose très intéressante qu'on peut appliquer au football: le talent suffit pour gagner un match, l'état d'esprit est nécessaire pour gagner des trophées. Et il a entièrement raison. C'est de lui, c'est pas de moi. Excusez-moi. Alors, quelle est maintenant l'influence d'Aimé Jacquet dans votre nouveau poste de sélectionneur? C'est Cyril qui se pose cette question. Ouais. Donc, est-ce que vous servez de la méthode de travail 98 dont vous faisiez partie pour cette nouvelle équipe de France? La méthode de travail, c'est surtout les principes de travail qu'il faut tenir compte. Je crois que bon, le football a changé, les méthodes d'entraînement ont changé, les joueurs ont changé, les jeunes joueurs ont changé. Ils ont une mentalité différente de la nôtre. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je crois que bon, ce que j'ai apprécié dans le fait de management d'Aimé, c'est qu'à un moment donné, il a pris l'équipe après 94, justement. Après le fait que nous ne soyons pas qualifiés pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, alors que nous avions deux matchs à domicile et on a perdu les deux matchs. Donc là aussi, le football français était assez triste. Et lui, il a pris l'équipe, il a fixé un cap. Il a fixé un cap, il a gardé certains joueurs d'une certaine génération, il a appelé d'autres jeunes joueurs. Et bon, on a eu des difficultés à se qualifier, mais il a gardé son cap. Et on est allé au championnat d'Europe en 96, on a joué la demi-finale, où tout le monde a pris conscience que ce groupe-là de jeunes joueurs avait de la qualité, avec quelques anciens. On a vu arriver des Lizarazu, des Thuram, des De Saï, des Djorkaeff, des Dugarry, des Zidane. Et il a gardé son cap. Et de 96 à 98, on a continué à travailler dans la qualité en gardant pratiquement la même ossature. Et on sait le résultat qu'on a obtenu en 98. Donc voilà, lui aussi avait les mêmes remarques. Après 94, il faut tout changer, il faut repartir, il faut ceci, il faut cela. Non, il a gardé un cap, il s'y est tenu, il n'a pas changé d'idée, il a certainement évolué dans ses idées, et je crois que ça c'est une bonne leçon à retenir. L'emploi du temps du président que vous êtes, Benoît, se penche sur votre agenda de sélectionneur. Oui, en dehors des périodes de stage, quelle est la semaine type d'un sélectionneur? Alors la semaine type d'un sélectionneur, c'est pendant 10 jours où on a deux matchs, et à ça à l'heure.
à 200 à l'heure, à 300 à l'heure. On a l'impression qu'il faut faire le maximum de choses parce qu'on est là, on a les joueurs sous la main et il faut au maximum discuter avec eux, il faut au maximum amener quelque chose. Si j'ose dire, si on osait, on ferait toute la journée des entraînements. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça parce qu'il y a des planches de récupération à avoir. Et après, quand vous terminez tout ça, je vous ai dit, vous avez une période de décompression qui est assez bizarre. Et après, vous n'avez plus vos joueurs. Donc je ne suis pas obligé de vivre à Paris. Ça aurait été très dur pour moi de vivre à Paris. Je ne me le cache pas. Donc je suis resté à Bordeaux. Ce que je fais, c'est que avec mon staff technique, on établit un planning du mois jusqu'à la prochaine échéance. Et on se dispatche les matchs. Et on va voir énormément de matchs. Que ce soit de championnat, de Champions League, match étranger, match français, etc., etc. Et on essaye toujours de rester ou après le match ou le lendemain pour essayer d'aller discuter avec leur entraîneur. Etc. pour avoir une discussion, un petit peu un ressenti. Parce que voir les matchs, bon, à la limite, on pourrait rester devant une télé et regarder les matchs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec eux, d'avoir un petit peu leur ressenti, quelles sont leurs formes physiques, leurs formes mentales, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de voyages. Donc, voilà, on avait dit, enfin, mais je m'étais dit qu'en étant sélectionneur, j'aurais un peu plus de temps pour ma famille, et mes enfants. Ma femme est en train de me poser la question de savoir si j'ai fait le bon choix. Mais là, après le mois de septembre, après le mois d'octobre, bon, vu le calendrier international qui est beaucoup plus relâché, je pense que je vais répondre positivement à sa demande. Je crois que vous avez laissé votre célèbre touillette à Didier Deschamps cette saison. Oui, j'ai vu ça, oui. Sur le banc. Mmh. Alors certains sur le banc sont hyperactifs, il y en a d'autres qui sont manifestement beaucoup plus zen. C'est une question de Cyril. Oui. Laurent Blanc des terrains, donc il paraît calme, droit, oui, et imperméable aux émotions. Mais en dehors des stades, on a des émotions. Après, on les traduit ou on les traduit pas. Moi, je suis pas de fer. Hein. J'ai des émotions comme tout le monde. Heureusement, d'ailleurs, qu'on a des émotions. Je trouve que je sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas d'émotions. Je trouve que c'est très triste s'ils n'ont pas d'émotions. L'émotionnel fait partie intégrante de nous-mêmes, quoi. Après, vous avez plusieurs manières de la traduire, votre émotion. Ou vous sautez au plafond, ou vous embrassez tout le monde, ou alors c'est à l'intérieur, vous ne laissez rien paraître, mais elle est aussi forte que celui qui saute dans tous les sens. Moi, c'est de cette manière-là que j'ai mes émotions. On ne se refait pas, ça fait partie de mon caractère, de ma personnalité. Et c'est vrai qu'en étant sur le banc, je m'aperçois que bon... on a fait notre job avant le match. On peut intervenir juste avant de rentrer sur le terrain pour les joueurs, à la mi-temps. Mais sur le terrain, souvent, les entraîneurs font des choses pour se donner bonne conscience, pour se dire bon, mais je participe. Mais concrètement, je pense que souvent les joueurs ne les entendent pas. Quoi. C'est vrai. Après, vous êtes dans votre match, vous joueurs. Alors, vous profitez de quelques arrêts de jeu pour essayer de donner quelques consignes à quelques tauliers de l'équipe. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire. Donc, il y en a qui se donnent bonne conscience en disant « je vais participer à mon équipe » parce que je pense que ça leur fait beaucoup de bien à eux. À eux, d'abord. Ils se disent « je fais du bien à mon équipe, mais je me fais surtout du bien à moi. » Robert s'intéresse justement au rapport que vous entretenez avec vos joueurs. On a vu plusieurs fois Hidalgo, à l'époque d'Hidalgo bien sûr, joyeux se faire chahuter amicalement par tous ces joueurs, visiblement très heureux, oui, avec leur entraîneur. La chose s'est reproduite avec Jacquet, mais elle ne s'est jamais reproduite avec Domenech. Vous, comment vous êtes avec vos joueurs? Comment est-ce que vous comptez être avec vos joueurs sur ce plan-là? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, j'aime plaisanter. J'aime beaucoup plaisanter. J'aime rigoler. Je sais que ça vous surprend, mais c'est la réalité. Je crois que je suis un sudiste de naissance et j'aime ça. J'aime ça. Alors, j'ai une apparence et un caractère qui sont complètement différents de cette attitude, mais j'aime ça. J'aime avoir des rapports avec des personnes. Pour moi, s'il n'y a pas de rapport, il ne peut pas y avoir d'affinité ni d'atome crochu avec cette personne-là.
Donc pour avoir des affinités, il faut connaître la personne, il faut discuter avec elle, il faut plaisanter, il faut bien la connaître, etc. Donc moi, avec mes joueurs, j'ai un rapport, bien sûr, autoritaire. Parce qu'à un moment donné, il faut être autoritaire. Surtout que c'est vous qui êtes exigeant avec eux. C'est vous qui demandez un travail. Donc il faut mélanger autorité, mais ne pas faire que de l'autoritaire. Parce qu'à un moment donné, si vos joueurs, vous les considérez comme des gens qui sont là que pour exécuter ce que vous voulez faire, s'il y a un discours qui confirme ça, c'est-à-dire que si un entraîneur dit « Vous êtes là pour faire ça, c'est moi le patron, c'est vous les exécutants », il faut être sûr et certain que votre avenir est vraiment mis en pointillé. Parce que le pouvoir, c'est les joueurs qui l'ont. C'est eux qui sont sur le terrain. Mais il faut avoir de l'autorité sur eux. Donc je dis qu'un entraîneur doit être vraiment faire preuve d'autorité, mais faire preuve aussi de souplesse, de flexibilité. S'il est rigide, moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Autant je peux être très autoritaire, très à cheval sur certains principes, sur les horaires, sur le mode de s'entraîner, sur la discipline. Je suis très rigoureux. Mais autant dans la vie de tous les jours, vous savez, vous avez 25 bonhommes, quoi. 25 lascars, ça se dit ça à Metz? Complètement. 25 mecs. 25 mecs. Pas de femmes, rien. 25 mecs. On est entre nous. Il faut bien vivre. Si vous vivez mal votre séjour en équipe de France, vous n'allez pas être performant sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes des équipes nationales, que ce soit françaises. Je discutais avec un sélectionneur national célèbre qui me disait, Laurent, dans la société actuelle, le plus difficile, c'est pas de faire une équipe, c'est pas de gagner des matchs, c'est pas de préparer des matchs, c'est pas de se qualifier pour les huitièmes de finale, pour les quarts de finale, pour les demi-finales, pour la finale. C'est de passer 64 jours ensemble. C'est la chose la plus difficile pour un sélectionneur. Parce qu'on est avec des gens qui ont un caractère différent, qui ont une couleur de peau différente, qui ont une situation familiale différente, qui ont une religion différente. Il faut faire cohabiter tout ça. Donc c'est pas simple. Et le rôle de l'entraîneur, c'est d'essayer de bien vivre ces moments-là. Donc, si lui-même fait preuve d'inflexibilité, de rigueur, ça ne va pas aller, parce qu'à un certain moment, ça va casser. Donc, tout est l'art de l'entraîneur, c'est ça, ou du sélectionneur, c'est dans ce domaine-là. Moi, c'est ce domaine qui me plaît le plus dans ce métier-là, je vous l'accorde. Après, il y a la vérité du terrain, quand même. Mais souvent, quand un groupe vit bien, il le traduit sur le terrain. Et c'est ce qui me faisait vraiment... pas plaisir le samedi soir contre la Biélorussie, parce qu'on avait perdu ce match-là. Certes, on n'avait pas été très 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 flamboyant, mais ça n'avait pas traduit la semaine qu'on avait passée. On avait passé une excellente semaine, avec tout ce qu'il fallait, avec de la rigueur, du travail, de la discipline, de la bonne humeur, etc. Et on n'avait pas réussi à le traduire contre la Biélorussie. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à ça, mais le samedi soir après le match, je leur ai dit, écoutez les garçons, on a perdu ce match-là, il faut le gommer, on y reviendra demain matin. Mais à partir de demain matin, midi, demain matin, on ne pensera plus qu'à la Bosnie. Et faites-moi plaisir, traduisez ce qu'on est en train de vivre. C'est anormal qu'on ait perdu ce match-là parce que ça ne traduit pas la semaine qu'on vient de passer. Un jour après, ça a vraiment traduit ce qu'on avait vécu. Une question de Christelle maintenant sur vos lascars et sur le rendez-vous du 12 octobre. Ouais. C'est pas péjoratif, non, c'est affectif. Hein. Ouais. Comment apprendez-vous ce match contre le Luxembourg? Justement. Il faut se rendre à l'évidence. On a débuté la compétition avec un objectif commun qui est de se qualifier pour l'Euro 2012. Après deux matchs, on a une défaite, une victoire. Donc c'est pas fantastique, mais c'est pas catastrophique non plus. On a récupéré les 3 points que nous avons perdus à Paris. On aurait certes pu mieux faire, à mon sens, mais c'est comme ça, on ne peut plus y revenir. Là, on a deux matchs à domicile, un à Paris et un à Metz. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Je crois que bon, on a deux matchs à domicile, il faut prendre un maximum de points. Voilà, se préparer, se motiver et le réaliser surtout.
Petite parenthèse sur le Stade Saint-Symphorien. En 1998, vous deveniez champion du monde. Le FC Metz était vice-champion de France cette année-là avec ex-aequo avec le Racing Club de Lens. Avec Lens. Quel est votre regard aujourd'hui sur le FC Metz et sa lente descente aux enfers en L2? C'est regrettable parce que bon, je pense que Metz fait partie du paysage du football de Ligue 1. Depuis des lustres, avec son ancien président emblématique, Carlo Molinari. Le seul problème, c'est que bon, voilà, le football a bien changé, et que même des villes footballistiques comme Metz ont du mal à survivre parce que le football, il n'y a pas que la passion, il faut avoir aussi les moyens économiques pour pouvoir se permettre d'exister encore dans le paysage du football professionnel. Donc voilà, c'est difficile. J'espère qu'ils retrouveront une place dans le football français méritée, mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que quand vous descendez en Ligue 2, si vous ne remontez pas de suite en Ligue 1, si vous commencez à vous installer en Ligue 2, ça devient de plus en plus problématique pour monter en Ligue 1. Mais je leur souhaite en tout cas. Ouais. Cyril ne doute pas un instant de la popularité de vos bleus sur les bords de la Moselle. Oui, je crois que le stade est plein déjà, non? Bah justement, on dit que les Français ne croyaient plus en leur équipe de France. Et en quasiment 2 heures, le stade, toutes les places ont été vendues. Donc, comment je peux vous dire, c'est notre première victoire, ça. Je dis notre première victoire parce qu'elle appartient à tout le monde. Je peux vous dire que j'avais signé mon contrat 2 jours après le désastre de Nasna. Et 10 jours après, on était ici dans ces lieux mêmes, en se disant avec des dirigeants du football français comment on allait faire pour jouer notre premier match contre la Biélorussie au Stade de France, quel accueil allait être réservé à l'équipe de France, comment on allait faire pour remplir le stade, comment on allait faire pour faire 30 000 personnes, à quel prix il fallait mettre les places pour qu'il y ait au moins 30 000 personnes. En invitant des jeunes, etc., etc. Dans un pessimisme, mais vous pouvez pas, tu peux pas imaginer. Donc on était là, on se disait bon, on va le Stade de France va fermer les 2 anneaux, on va essayer de mettre des drapeaux pour qu'il y ait un peu d'ambiance. Enfin, c'était vraiment pathétique, mais c'était la réalité. C'était la réalité de l'état d'esprit qui était à ce moment-là dans ses propres locaux. Il s'avère que bon, il s'est passé ce qui s'est passé. La Norvège a été un petit déclic, même si le match, le résultat n'a pas été bon, mais le contenu avec des jeunes joueurs. Et puis je pense sincèrement, ça a déclenché certaines choses. Le match contre la Biélorussie, je ne sais pas si vous l'avez vu, le stade était quasi plein. Le public, on le sentait nous, on le sentait du bord au bord. Le public n'attendait que d'une chose pour s'enflammer. Il n'attendait que d'une chose, qu'on marque un but, malheureusement on n'y est pas arrivé. Mais on a rempli le stade. Là, je pense que bon, contre la Roumanie, ça va être plein. Contre Metz, c'est déjà plein. Ça prouve que les gens ont été tellement déçus de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais ça prouve aussi qu'ils aiment tellement l'équipe de France qu'ils sont prêts à être encore derrière elle. Parce qu'ils aiment leur équipe de France. Les Français ne sont pas très footballistiques. Il y a des villes footballistiques. Mais le peuple français, par rapport aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, on n'a pas cette culture footballistique qu'ont les Anglais, par exemple, ou les Espagnols. Mais je pense que dès que l'équipe nationale est en jeu, ça nous fait ressortir à nous-mêmes cet esprit patriotique. On est fiers de voilà, ça fait ressortir quelque chose de chez nous qui est assez patriotique. Mais je suis comme ça, je dois l'avouer que je suis comme ça aussi. Donc voilà, c'est une bonne chose. Espérons qu'on arrive à les faire aussi participer à ce sentiment-là. Alors justement, Laurent, une vraie question de supportrice. Alors, moi, je suis déjà une supportrice de foot, oui. Malgré que je sois une fille. Non, mais le football n'est pas réservé qu'aux hommes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, n'oubliez pas que notre équipe nationale de football s'est qualifiée brillamment pour la Coupe du Monde. Justement, c'est ce que je voulais en venir. Est-ce que vous le saviez, les hommes? Alors, ma question, c'est que je trouve que le football féminin n'est pas assez médiatisé. Oui. Alors que l'équipe française féminine s'est qualifiée pour le Mondial 2011. Oui. Qu'en pensez-vous? Vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et encore, Dieu sait que
Et merci à Aimé Jacquet parce que c'est lui qui a favorisé un petit peu le fait que bon, le football féminin soit développé. Parce qu'à un moment donné, il était vraiment aux abonnés absents. Voilà, notre équipe de France est qualifiée brillamment. Le problème, c'est que dans notre pays, comme dans beaucoup de pays européens, l'organisation du football féminin est beaucoup plus difficile. Et que malgré une ligue française quasi professionnelle, on a du mal à former des jeunes filles. Mais je pense que bon, c'est une volonté de la fédération de développer le football féminin. Donc la volonté est là, j'espère qu'elle va se traduire sur le terrain dans les prochaines années. Parce qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot. Ouais. Et qui jouent bien en plus. On prend exemple. Eh bien voilà. Robert voudrait maintenant s'intéresser à votre vie en dehors du terrain. Ah, oui. On veut tout savoir, Robert. Vous avez déjà un peu écorné le sujet tout à l'heure, quand vous avez parlé de votre femme qui commençait à réclamer son dû. Qu'on peut dire. Oui. Mais en fait, pour revenir d'une manière peut-être plus précise sur la question, est-ce que vous réussissez en fait à bien concilier votre vie privée, oui, et puis cette vie un petit, oui, peu errante et stressante, très stressante surtout. Oui, mais ça, bon, le stress fait partie de notre métier. Il faisait partie de notre métier en tant que joueur, il fait partie de notre métier en tant qu'entraîneur ou sélectionneur. Et puis, si j'ose dire, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Oui, oui, en quelque part, quand vous avez fait une carrière de joueur, vous pouvez vous permettre de vous consacrer à vos plaisirs personnels, à vos plaisirs familiers. Et puis, comme par hasard, vous replongez parce que au fond de vous-même, vous en avez besoin, quoi. Parce que c'est ce que vous aimez. Moi, le football, c'est vraiment ma passion. C'est au plus profond de moi-même, quoi. Donc voilà. Après, bon, il faut concilier sa vie familiale. Il ne faut pas l'oublier. Je crois que, bon, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de concilier les deux, dans la mesure où, bon, ce métier-là vous prend quasi... est quasi permanent dans votre cerveau. Donc le seul problème qu'il y a, le seul paradoxe qu'il y a et qui est difficile à gérer, c'est que même quand vous êtes à la maison, vous êtes physiquement à la maison, mais cérébralement, vous êtes ailleurs. Et ça, c'est difficile à supporter pour les femmes. J'imagine. Donc voilà, il faut faire des pauses, il faut faire des blackouts, ce que j'appelle. Il faut éteindre un petit peu tous les téléphones, il faut se consacrer à ses enfants. Parce que aussi réclame aussi votre présence, et c'est normal. Donc moi, j'arrive vraiment à faire un blackout, mais le problème, c'est que c'est les autres personnes qui veulent me joindre et me dire, mais ça fait 3 jours qu'on n'arrive pas à t'avoir. Je dis oui, mais j'ai une vie familiale, donc je peux consacrer un peu de temps. Hein. Donc j'arrive vraiment à séparer les choses. Je crois que c'est vraiment une grande force que j'ai, c'est que j'arrive vraiment à me séparer du monde pendant 3 jours, et ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas un accro de téléphone, je ne suis pas un accro de la télévision. Quand je consacre 3 jours à ma famille, je les consacre totalement. Mais je ne vous dis pas, après, quand je reprends les affaires courantes, je peux vous dire que les téléphones, ils sont en surchauffe, que le cerveau est en surchauffe aussi. Mais j'aime mieux fonctionner comme ça, parce que ça me convient mieux. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de vivre à Bordeaux, pour être beaucoup plus tranquille. Et aussi d'avoir une sérénité aussi un petit peu avec ma famille, ma femme et mes enfants. Une petite question de politique fiction pour le président avec Cyril. Donc, si vous n'aviez pas fait de carrière dans le foot, que ferait Laurent Blanc ? Éducateur. Dans quel domaine ? Dans le sport. Donc c'est pour ça que moi, le football, c'est d'abord un moyen qui m'a permis de m'affirmer, de m'affirmer en tant qu'homme. Donc ça, c'est pour ça que je dis que le sport a vraiment des pouvoirs au-delà du domaine sportif, au niveau du social, au niveau vraiment de la personnalité. Mais je crois que le sport, et tous les sports, c'est ma passion, le sport. Donc si j'avais pas pu l'exercer en tant que professionnel, j'aurais fait certainement en tant qu'amateur, bien sûr, mais aussi j'aurais essayé de l'éduquer aux jeunes. Parce que j'adore les jeunes, j'aime le contact avec les jeunes. Et ça m'aurait fait vraiment plaisir. Laurent, la dernière question de votre face au lecteur avec Benoît, qui vous propose, ouais, quelques pistes de reconversion. Oui, allez-y. Donc, après le foot, vous préféreriez devenir dirigeant comme Platini, homme politique comme Douillet ou chanteur comme Noah ? Chanteur, c'est déjà, on peut déjà l'éliminer.
Non. Dirigeant, oui. Mais là, vous, bon, que ce soit président de l'UFA ou député UMP et peut-être futur ministre de la Jeunesse et Sport, c'est dirigeant politique. Je pense qu'il existe encore des dirigeants qui dirigent et qui ne font pas de la politique. Il y en a très peu, mais ça peut exister. Donc si c'est le cas, pourquoi pas, dirigeant. Si c'est dirigeant politique, ça va être difficile. Même si j'aime bien la politique, mais ça va être compliqué. Président de l'UFA, c'est dirigeant politique. Oui, à ce niveau-là, oui. Oui. D'ailleurs, c'est Michel qui le dit, donc je peux le dire moi aussi. Non, non, mais c'est des responsabilités énormes. Et puis, ok, vous avez le contact avec les footballeurs, mais là, ça dépasse, vous dépassez votre rôle uniquement sportif. Ça devient un rôle politique. Oui. Merci Laurent Blanc. Merci à vous. Merci encore une fois au nom de ces 5 lecteurs qui ont beaucoup travaillé, qui ont préparé les questions pendant plusieurs jours. Bon. Merci au nom des lecteurs du Républicain Lorrain qui vous liront la semaine prochaine, le mercredi 6 octobre. Si j'ai une petite demande à faire aux lecteurs et à vous-même, dites-nous. Réservez-nous un bel accueil. Bon accueil, je suis persuadé qu'on en aura un bon, mais une bonne météo. Ouais. Une bonne météo. On l'espère. Pour mon plaisir, une grave. Bonne météo. Comme je sais qu'il y aura une bonne pelouse, s'il y a une bonne météo, les conditions climatiques peuvent être importantes. Alors rendez-vous dans le Républicain Lorrain le 6 octobre pour un supplément spécial de 4 pages. Rendez-vous également sur le site internet pour l'émission intégrale en vidéo. Et puis rendez-vous évidemment, vous l'avez dit, avec le temps, le 12 octobre. Avec le beau temps pour France-Luxembourg, à Metz, au Stade Saint-Symphorien. Merci encore Laurent Blanc. J'y serai, merci à vous. Merci. Au revoir.